votre consommation. Il y a des variations dans la consommation. Et pourquoi je dis variation? Parce que chacun est différent. On va prendre en considération votre niveau, si vous êtes un débutant, un intermédiaire ou un avancé aussi, si vous êtes un amateur qui fait de la musculation pour monter sur les podiums et frimer et montrer ses pecs avec le slip comme je le faisais auparavant, ou vous êtes un pro, c'est là où ça augmente encore plus par rapport bien sûr à votre poids du corps. Lorsque je dis consommation par rapport à une prise de masse, masse musculaire, pas de la merde et de la flotte et le bit qui sort comme j'avais ce problème auparavant et la plupart de vous l'ont. Donc on se calme, si vous commencez à pleurer, on n'est pas dans une crèche. C'est la vérité. Donc, prise de masse. Vous consommez 1,5 à 2,5 grammes par 1 kg de poids du corps. Ne vous excitez pas, les gens qui sont en train de me regarder, qu'est-ce qu'il dit? Calmez-vous, je vais vous expliquer dans pas longtemps, parce que je vous vois d'ici. Donc, pour une prise de masse 1,5 à 2,5 grammes par 1 kg de poids du corps, pour une sèche 2